Donc, famille entre deux cultures, dynamique relationnelle et prise en charge systémique. C'est un livre qui est le résultat de 10 ans de travail entre ma thèse de doctorat et mon expérience clinique auprès des familles d'origine étrangère, des couples mixtes. Mais pas que ça, c'est-à-dire que l'observation au quotidien des relations entre parents et enfants issus de migration est pour moi quelque chose d'assez intéressant, peut-être pour des questions personnelles certainement, puisque moi aussi j'ai migré, j'ai fait un voyage migratoire. Mais c'est vrai que, et donc sans doute je suis sensibilisée à cette question hein, de comment être parent, comment être sujet, comment être professionnel quand on est étranger dans un pays d'accueil. Mais aussi parce que je me disais qu'il nous manquait dans l'approche systémique peut-être des éléments de compréhension de cette particularité qui est la migration, pas forcément une particularité négative, néfaste, mais une particularité qui construit le sujet et qui fait le sujet de sa relation avec le monde. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est dédié, certes, aux professionnels systémiciens, puisqu'il y a toute une partie théorique de construction d'une approche que j'ai appelée approche systémique interculturelle. Et il y a aussi toute une partie où je propose des entretiens, une façon d'appréhender l'événement migratoire comme un événement en trois étapes, c'est-à-dire la préparation du départ, le départ en lui-même et l'accueil, l'arrivée dans le pays d'accueil. Et c'est aussi un livre destiné à des migrants et des enfants de migrants, puisque c'est un livre où il y a toute une autre partie avec des histoires de famille, les entretiens que j'ai pu réaliser avec certaines familles, dans ce cas-là, il y en a trois, où justement on va pouvoir bien percevoir l'impact de la migration, des motivations de la migration, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, et comment la transmission, c'est-à-dire comment les relations basées sur la transmission volontaire et involontaires vont permettre aux enfants issus de migration, donc les enfants de migrants, les petits-enfants de migrants, de vivre leur double appartenance comme un atout et pas comme un handicap. Donc je pense que pour des questions peut-être politiques, mais aussi sans doute intellectuelles, en France en tout cas, l'approche, l'accueil des familles d'origine étrangère, l'approche psychologique autour des familles d'origine étrangère était très cantonnée du côté de la psychanalyse et de l'autre côté, pour les systémiciens, en tout cas ceux que je connais en France, peut-être un peu, c'est un peu différent en Italie puisque l'école de Rome s'est mise un peu à travailler sur ces questions, mais on est très peu intervenu et très peu produit sur le plan théorique sur la question de la migration et de l'accueil donc des familles, de la prise en charge des familles dans le contexte migratoire. Alors, je pense que la migration, c'est un événement qui traverse les familles sur plusieurs générations et donc c'est un événement auquel on peut s'adresser, on peut faire parler, disons ça comme ça, dans des thérapies des enfants de migrants. Il ne s'agit pas du tout d'être dans une logique culturocentrique où on va absolument parler de la culture et c'est la culture qui, en tout cas la double appartenance culturelle, le voyage migratoire qui pose problème dans toutes les familles. Il ne s'agit pas du tout de ça. Néanmoins, c'est l'idée de faire en sorte que ça devienne pensable pour nous, les professionnels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est apte à accueillir cette pensée-là, où on peut se dire, laisser la possibilité au sujet et le faire comprendre qu'il peut parler de ça, qu'il peut parler de cet aspect de sa vie, de cet événement de sa vie qu'il a
qui lui a permis de se construire aussi. Et donc, voilà qu'on a donné au sujet la possibilité d'être lui-même et de parler de lui. Et de ne pas être dans une logique thérapeutique où c'est la société dominante, c'est-à-dire c'est les règles et les logiques de la société d'accueil qui dominent le rapport thérapeutique. Donc cette possibilité, cette ouverture qui peut représenter 3-4 mots dans un entretien, qui peut représenter revenir à parler d'une situation dans un deuxième entretien, revenir à parler de l'histoire de la famille dans un autre entretien, mais qui peut représenter pour le sujet juste un signe. Vous pouvez parler de vous, vous pouvez parler de votre histoire et de votre famille, ce qui est souvent très angoissant et très inquiétant, je trouve, pour les professionnels, parce que c'est presque comme si, ben, mais cette partie de l'histoire n'est pas là, donc on va pas en parler, puisque c'est forcément une partie de l'histoire par rapport à laquelle on est incompétent, puisque c'est difficile, c'est impossible en tant que professionnel de connaître toutes les cultures, de connaître toutes les langues, de connaître tous les codes relationnels. Donc c'est forcément, il faut forcément se mettre dans une position d'apprentissage et de moins dans une position de maître, de celui qui sait, de spécialiste. Donc c'est cette mise en danger qui est proposée dans ce livre, c'est-à-dire une mise en danger vers le sujet, vers plus de complexité et donc vers plus de proximité dans une relation thérapeutique. Voilà.